Paris chez nous. Banquier en turbège et sans bras, trois sous sans bras, n'y a jamais posé son cul, j'y ai posé le mien. Deux fois ça m'a plu, jamais rien vu d'aussi ordinaire que ce café lait ou des îles austères. Mat par la vitre, les filles de Malakoff, les filles café au lait au volant de leur gueule. Je conseille pas aux dépressifs de s'y rendre, sauf s'ils ne coûtent leur manque pour se vendre. Quelqu'un ils trouveront bien un client zélé, capable de confectionner un nœud coulant serré. Une fois la corde au bout, faudra plus faire le fier. Au café l'Ustalou, on ne se prend pas pied à terre. La gueule distraira les fumeurs attroupés, elle essaiera d'arrêter la clope et le tiercé. Au café l'Ustalou, y'a pas de loup, y'a pas de voyou, y'a pas de zoulou. Y'a un grand fou que les fous décrochent. Avant de prévenir les proches, que les sonneront les cloches. Au café de l'Ustalou, y'a pas de loup, y'a pas de voyou, y'a pas de zoulou. Y'a un grand fou que les fous décrochent. Avant de prévenir les proches, que les sonneront les cloches. Café l'Ustalou, dont la clientèle s'est récemment étoffée d'une demi-douzaine de bons officiers de police, évidemment pas aux heures de service aujourd'hui à l'Ustalou. Ils poursuivent l'exercice qu'ils ont débuté ce matin en serrant les pommes quand le commissariat planché sur le péril jaune. Pas comme un accord avec les initiés du coin, les officiers décident de dresser le chien à bouffer le premier brillant de tabac de la l'Ustalou. Se méfie des Chinois, le patron essaye en vain de calmer l'assemblée, de la ramener dessus à la raison du bonnet. Il est temps de lui dévorer la fesse. Et le gros chien blanc du patron est content d'entendre parler chinois. C'est embêtant car sa femme est bien là-bas. Et le gros chien blanc du patron est content d'entendre parler chinois. C'est étonnant du chinois. Et il aboie, il aboie, il aboie. Il fait wouh. Pas mal comme ça. Et il a vu son pichet avant d'avoir été d'aller libérer tous les fébards du quartier. Retenu dans les gardes et resté soupçonné de maquiller nos amis en cadavre laqué. Le thème des toqués se sentit pousser des ailes comme un mini dégaz en compagnie de sa gazelle. Sa gastronomie, l'envie je le coupe pas. La bas du chinois est pollue, la soupe de soja. La tête est éclamée, le massacre dure un temps. Un temps pendant lequel le film fout de l'écran. Évanouissement, pillage et son regard est presque ouvert à l'événement. C'est quartier de noblesse. Chez son cul, une seule main. Au café l'Ustalou, y'a pas de loup, y'a pas de voyou, y'a pas de zoulou. Y'a un toutou, genre frôlou. Un loup de Sibérie, qui prend pas parler de sinologie. Au café l'Ustalou, y'a pas de loup, y'a pas de voyou, y'a pas de zoulou. Y'a un toutou, genre frôlou. Un loup de Sibérie, qui prend pas parler de sinologie. Merci à Grainesand de nous avoir invités ce soir. Et bonne fin de soirée, merci beaucoup. C'est le plus beau rappel qu'on nous ait jamais fait, merci.